Donc n'hésitez pas à me dire hein, si vous entendez bien les voix et le son et tout ça. On est ensemble jusqu'à 22h30. Standby, 10-10, rendez-vous à Isle Plaza, on nous signale du tapage. 10-4, régulateur, répétez l'adresse. Isle Plaza, tapage à Isle Plaza, on nous signale du tapage. Attaque en cours à Isle Plaza, je répète, attaque en cours, c'est la guerre ici. 10-85, régulateur. Ils étaient tous morts. Ça a l'air d'aller. Le dernier coup de feu était comme un point final à cette histoire. Je relâchais mon doigt sur la détente. C'était fini. Mais il faut revenir 3 ans en arrière pour que vous puissiez comprendre. Revenir à cette nuit où tout a commencé. Effectivement, un gros travail de remake sur ce RE4. Oui, hein. Ouais. Et je tout le monde y jouer, j'en ai marre. J'étais encore dans la police de New York. Manhattan. Circonscription Nord. L'antichambre de l'enfer. Alors, détective Payne, quand viens-tu rejoindre mon équipe? Tu vas me faire bosser sous couverture? Désolé, Alex. Mais Michel et le bébé d'abord, tu vois? C'était ma dernière cigarette. Ce n'est pas bon pour la petite. Tu ne changeras jamais, Max. Un vrai boy scout. À bientôt, Alex. Ça marche toujours pour le poker de jeudi soir? J'en raterai ça pour rien au monde. La vie était belle. Le soleil se couchait sur une douce journée d'été. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Les rires d'enfants. Une maison au bord du fleuve. Sur la rive de Jersey. Une femme merveilleuse. Et une petite fille. Le rêve américain, en somme. Chérie, c'est moi! Mais si vous n'y prenez pas garde, les rêves peuvent vite se transformer en cauchemar. Michel, mon amour, tu es là? Le soleil se couchait avec sa bravoure coutumière. Le crépuscule envahissait le ciel. Non, c'est ma chérie qui dit. Michel, ma chérie, tu es là? Michel, ma chérie, tu es là? Je n'aimais pas le début du spectacle, mais il m'avait laissé une place de choix. Première rangée au centre. Oh, mon dieu, ce jeu. Incroyable. Qu'est-ce que c'est? Les débuts 2000. La jouabilité. Oh, j'adore ça. Comment ça marche déjà? Ah oui, comme ça. Un horrible tag ornait le mur. Un présage pour l'avenir. Une seringue empoisonnée. Un tag magique chargé de signification diabolique. Incroyable. J'ai commencé Resident Evil Survivor 2, Just. Quelqu'un s'est introduit chez moi, appelez la police. Mon Dieu. Oui? Je suis bien chez les Payne. Quelqu'un s'est introduit chez moi, ils sont toujours là, appelez... Très bien. Désolé, je ne peux pas vous aider. Qui êtes-vous? Allô? Allô? Mon dieu. En plus, ça reprend le jeu que tu viens de faire, Code Veronica, donc c'est... C'est étrange, mais c'est étrange, en fait, ce côté... je savais pas que les autres, c'était en... Bah, en espèce de comme Time Crisis, quoi, en arcade, quoi, donc... très bizarre. Très très étrange. Ah, quand même. Non! Je ne sais pas mon bébé! Mais ça va pas! Michel! Non, bébé! Non! Fais-le! Ah!
Un arcade du cul, c'est tout un concept. Non, ah, tu t'es aussi fait chier sur celui-là que sur le premier. Michel, je vais te faire mal. La mort arrive. Police, bouge plus. Lâche ça. Oh non, mon Dieu, non. Quelle horrible merde le film Max Payne. Oh mon Dieu. Je viens d'avoir des flashs et tout du film. Oh là là là. La chair des anges déchus. Non. Oh non, non. Michel, mon Dieu. Non. Et sur 4 épisodes en plus. Oh putain. 4 épisodes. C'est-à-dire que c'est pas fini, moi j'ai cru que c'était fini là. Que ce serait une seule vidéo quoi. Ou alors c'est une vidéo et il y a 4 épisodes dessus. Alors, ça c'est moi quand j'ai appris que j'aurais eu du retard sur RE4. J'ai eu pareil. Ma vie s'est brisée en une minute new-yorkaise. Les meurtriers, des junkies étaient sous l'emprise d'une nouvelle drogue encore inconnue. La Valkyrie. Max Payne peut mourir. Mais en plus, volontairement, j'ai dit à Alex que j'étais prêt à entrer à la DEA. J'ai pas l'impression, parce que. Il nous a fallu 3 longues années pour avancer sur l'affaire Valkyrie. Et puis il y a 2 mois, un indique nous a tuyauté sur Jack Lupino. Un des patrons de la famille Punchinello. J'ai alors infiltré la pire des familles de la mafia new-yorkaise. Chuchotement, il parle comme ça, l'acteur. Hello, je suis Max Payne. Vous savez bien. Ouais. J'ai intégré la pire mafia new-yorkaise. J'entrais. À l'extérieur, la ville froide et enveloppée d'un voile nocturne était un monstre cruel. Je progressais lentement, passant du menu fretin au gros poisson. J'essayais de remonter jusqu'à la tête de l'organisation. Alex et Bébé étaient mes seuls contacts à la DEA. Les seuls dans cette ville décadente à savoir où j'étais. Bébé à l'appareil. On a du nouveau sur Lupino. Vous devez rencontrer Alex immédiatement, station Roscoe Street. Je n'avais pas rencontré Alex depuis que j'avais infiltré Lupino. Le mercure chutait à toute allure. Il faisait un froid glacial. Des hallebardes glacées s'abattaient sur la ville comme si le ciel allait s'écrouler. Chacun courait à la recherche d'un abri, comme si c'était la fin du monde. Les choses n'allaient pas s'arranger dans le métro. Ça fait beaucoup penser à Alan Wake, hein. J'ai soudain ressenti quelque chose d'étrange. Tout cela n'était pas normal. Mon Beretta se soulevait nerveusement sous ma veste, mais les portes du train s'étaient refermées sur moi. J'étais en route vers mon destin. Prochain arrêt, Roscoe Street et Alex. Bah en vrai, le jeu est déjà... Oui, c'est ça, le jeu est déjà un film. Pourquoi faire... La station était très plongée dans l'obscurité. Alex n'était pas là. Je devais le trouver. Super bizarre. Après, Mark Wahlberg, en tant que Max Payne, ça pouvait le faire. Je me suis dit, bon, c'est pas ça qui me choque le plus. Disons que je préfère voir Mark Wahlberg en tant que Max Payne que Mark Wahlberg en tant que Sully dans Uncharted, quoi. ça me choquait moins. Le voir en flic qu'en voir genre en papa adoptif de Nate. Mais bon. Putain, ouais, le film, quoi. Putain. Et je l'ai en DVD, hein. Comme Doom, hein. Je l'ai en DVD, hein, parce que je kiffe ces séries, donc du coup... voilà, tu vois. J'ai pas Doom Annihilation, hein, quand même, parce que j'ai quand même un peu de pureté. Mais putain, Y'a rien à en tirer, hein. Ah, tu défends quand même les 4 premiers films Resident Evil. Quand même. Moi, les seuls trucs que j'aime bien mettre... Enfin, qui sont bien sur Resident Evil, c'est les films d'animation, là. Dégénération, Vendetta, il y en a un nouveau qui va sortir là. Mark Wahlberg dans Transformers, sans ironie. Et je crois que c'est le seul
c'est le seul Transformers que je regardais de ma vie. J'aime pas trop les trucs avec les robots. Et Rematou. Ouais, donc c'est bon niveau voix. Est-ce que vous entendez bien la voix des personnages? La mort planait sur Roscoe Street. Je devais trouver Alex au plus vite. Moi, dans mon casque, ça va. Donc, Les pilules calmeraient la douleur. Ouais, pour les persos, mais peut-être que le jeu est un peu fort par rapport à la tienne. Ah, bah attendez, si le jeu est trop fort par rapport à ma voix, on va baisser un tout petit peu. Voilà. Voilà. Tester comme ça. Incroyable. Incroyable ce jeu. Jack ne devait pas s'occuper de ça. Michael, lui, s'amuse avec les flics là-haut. C'est quoi le plan? Vous n'avez pas une assez grande gueule. La ferme, vous. Super. Elle est déjà partie. Bouge pas. Ah oui, d'accord, bien. On sent qu'il y a eu Matrix quand même. Hein. Monsieur Anderson. Qu'est-ce que... Ok. Hé hey, les gars, les gars, arrêtez de vous moquer de moi. Vous m'entendez? Ce n'est pas drôle. Hé hey, y a quelqu'un? Répondez-moi. Qui n'a pas essayé, gamin, d'imiter les mouvements en bullet time? Oh, je pense que on est beaucoup à avoir fait ça, tout comme à avoir essayé de faire les figures de Sam Fisher dans Splinter Cell. Mais heureusement qu'il y avait Bullet Time en fait dans ce jeu, parce que sinon ça reste un jeu de tir tout à fait traditionnel. Hein. J'ai décidé de faire ce jeu parce que il y a peu de gens qui le connaissent, Max Payne, c'est sûr. Il y a 2-3 dans les gens qui m'entourent qui connaissent pas Max Payne. Le tableau de sécurité couinait d'un air moqueur. J'avais besoin du code. Mais mon préféré des Max Payne, c'est le 3. D'accord. Bouge pas. En cherchant Alex, j'étais tombé au beau milieu d'une opération criminelle d'envergure. J'aime beaucoup le 3. C'est un peu la force de Remedy, les petits trucs en plus par rapport au gameplay traditionnel et l'histoire, bien sûr. Oui, donc c'est ça. Et je crois que donc c'est eux qui ont fait Alan Wake. Parce que je trouve que quand j'ai joué à Alan Wake, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes avec Max Payne. Hein. J'ai l'impression qu'ils aiment beaucoup faire des personnages qui pensent comme si on était qu'on lisait un narrateur dans un livre. Adieu, ah. Ils ont fait Alan Wake, Control et Quantum Break. Ah, j'ai pas fait les autres. Je connais le nom. Tu m'as sauvé, mec. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un massacre! Des types armés ont surgi de nulle part! On doit demander de l'aide! Je peux appeler de la salle de contrôle là-haut! Vous pouvez m'accompagner? Pas de problème, suivez-moi. Hop! Attention! Je suis un enfant.
Il était comme ça. Voilà, il y a le Covid. Ah, au secours. Surtout, c'est écrit par le même scénariste, Sam Lake, qui est donc du coup le visage de Max Payne. Par ici. Ah, c'est sur les deux premiers, t'es sûr? D'ailleurs, on peut, si vous voulez, on peut regarder ce magnifique visage. Voilà, Sam Lake. J'adore. Ouais, c'est vrai qu'il se barre. Foire, va. Il me semble, mais je connais pas beaucoup, mais je connais beaucoup moins le second, j'ai vu la prise de SP sur le premier. Ouais, le second, bah, ils l'ont pas mis sur le Play Store, donc c'est assez dommage. C'est dommage, comme ça on aura pu enchaîner avec le deuxième. Mais ils ont mis que le premier. Donc on fera que le premier. La rame s'éclaira comme un arbre de Noël. Le courant était rétabli. On est ensemble jusqu'à 22h30. Attention, cascade. Faut pas que je fasse le fou parce que je peux perdre de la vie. Hein. Il me semble qu'il y a des dégâts de chute. Hein. Hop, Resident Evil 3. Oh. Chose. Non, ça ne va pas. Il y a les remakes de Max Payne 1 et 2 qui ont été annoncés il y a quelques mois, il me semble. Ah ouais? Et du coup, c'est Rockstar qui sont occupés, parce qu'ils ont racheté les droits sur avec le 3. Putain, ce serait très bien. Ah, mais il sera en VO du coup, il va peut-être perdre un peu plus de sa saveur. Pas le temps de faire. Parce que Max Payne, le premier Max Payne, j'aime beaucoup, c'est pour son côté nana et le doublage et tout ça qui est assez culte quand même. Ils sont tous le même cri. Ah putain, ça... Ah là... C'est bon, ça. Ah, c'est... Ah, bah ça va. Si c'est eux qui vont les faire, c'est cool. Franchement, c'est cool. La porte rouillée s'ouvrait sur une partie abandonnée de la station fermée au début des années 40. Quelque chose d'important se passait à Roscoe Street. C'est peut-être pour ça qu'Alex voulait qu'on se retrouve ici. D'une manière ou d'une autre, j'allais trouver la réponse. Quel jeu incroyable, quand même. Il y a vraiment... j'adore l'immersion du jeu. T'entends quelque chose? Non, du calme. Oh! Bouge pas! Tomb Raider. Comme Lupino, ça devient excitant. Y'a que Lupino, ouais, excitant. C'est comme le trou dans ses comptes qui grandit. À ta place, je ne ferai pas un machin. Ouais. La station n'est pas sûre. Quelqu'un se prend pour un héros là-haut. On n'avait pas besoin de ça. Ah,
Nice. Nice. Qu'est-ce que c'était? C'est le double Slayer qui arrive. Pardon. Tout est en place ici. File-moi le détonateur. De quoi tu parles? Le détonateur. Je croyais que tu l'avais. C'est toi qui devais le prendre. Ouais, t'as raison. Oh! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... La porte avait été soudée depuis bien longtemps et la bombe n'avait pas de détonateur. Ok. Le détonateur. Je ferai peut-être du Doom demain. Ah. Ok les gars, la police est en route. Le gratin de New York sera bientôt là. Bah c'est très bien que t'as pas fait de live jeudi du coup, vu que moi jeudi je suis occupé, bah je serai là du coup demain. Je vais voir du Doom comme ça. Mais d'ailleurs, ça s'est bien passé. C'est sûr. Parce que t'as manifesté, non? Ton côté. Mercredi. Enfin, c'était bien mercredi, hein. Allô? Vous êtes en direct du lieu du crime. Qui êtes-vous? Et vous? Jim Bravura, directeur adjoint de la police de New York. Cessez vos activités criminelles et rendez-vous immédiatement. Bien sûr, Jim. Avec les gars, on se disait qu'on était vraiment désolés. Ils ne recommenceront plus. Bon sang, qui êtes-vous? Me trouver au beau milieu de l'attaque d'une banque ne plaidait pas en ma faveur. Ouais, du coup, ça s'est pas... Enfin, ça s'est bien placé. Est-ce que ça s'est bien passé? Putain, je vais y arriver. Le butin des cambrioleurs était sur la table. Il n'a recherché que les bons porteurs Deezer Corporation. La réussite Deezer avait fait la une de toute la presse. Ok. On peut pas prendre du fric là, on se casse. Beaucoup de monde, mais c'était calme. Bon, ça va. Parce que là, en ce moment, ce qui s'est passé à Toulouse là ou à Bordeaux. Oh, mon dieu, quoi. Ouais. Les cambrioleurs avaient oublié leurs outils sur la table. Et à en juger par les détonateurs, ces pourris avaient assez d'explosifs pour envoyer la Statue de la Liberté en orbite. Ah, pas de soucis, Marsu. Bah, t'as de la chance, hein. Tu peux remercier Amazon, en fait, hein, Marsu, parce que si Amazon m'avait donné mon colis en temps et en heure, ce serait raison T1004, comme 95% de Twitch. Mais j'ai prévu ça en cas de plan B. Ah, mais moi, je veux faire la bagarre. Ah bon? Toi, tu veux faire un bain? Ah putain, je te connais très mal à leur geste. Hein. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre de toi. Hein. Oh, la grenade! Oh, ça a ramé là. Hein. C'est... Thank you.
Ouais, la console elle a pas aimé. Hé, hey, vous ! Max ! J'ai failli avoir une attaque ! J'allais te tirer dessus ! Alex, je suis content de te voir. Ah, tu verras la fin avec moi, Mersu. Il y a plus de cadavres qu'à la morgue ! Peut-être pas ce vendredi, mais vendredi prochain, sûr. C'est l'équipe de Lupino ? C'est un coup de Lupino ! Il est assez court le jeu. Tu sais choisir tes plans. Tu veux sortir ? Non ! C'est fermé ! Faut qu'on sorte là ! Si c'est Lupino, c'est... Alex ! Alex ! Je ne pouvais rien faire. Il était mort. Il me suffisait de voir son regard vide et accusateur. La musique, la musique pour le jeu. Pas mal. Attends. Non, distributeur. Quoi bon. Nice. Wesh, Tommy, bien ou quoi? Y'a rien là-bas? Le distributeur, incroyable. Oh, yeah. C'est pas là-bas. Attendez, j'ai pas appuyé sur le truc. Ah voilà. Tu fais le 2 et le 3 en live. Bah le 2 et le 3 en live ne sont pas sur le PlayStation Store pour le moment. Donc je ne peux pas le faire. Mais quand ils seront sur le PS Store, je les ferai, merci bien sûr. Alex m'avait aidé à tenir le coup pendant ces 3 dernières années. Et là, je ne savais plus où j'en étais. J'étais tombé sur quelque chose d'important. Et j'avais fini par marcher sur les plates-bandes de l'Opi. Retour en 2001. Oui, là on est... On y est là. Là, je vous ai mis. Je vous ai mis 23 ans dans la tête là. 2001, j'avais 10 ans. Il dirigeait son racket sur le sexe, la drogue et les contrats depuis un hôtel lugubre et quelques taudis. Les flics venaient me chercher. J'entendais le hurlement des sirènes se rapprocher. Lupino pensait qu'il pouvait nous avoir. Il n'avait eu mon attention. Moi j'aime beaucoup le 3 et j'ai fait bah, le premier mais j'avais pas fini à l'époque. C'était un vieux bâtiment aux lampes clignotantes et aux couleurs passées qui abritait de petits truands de la mafia et des prostituées. J'entrais franchement, à la manière de Bogart, comme je l'avais fait des centaines de fois. L'endroit était tenu par des tueurs de la mafia au sommet de la guerre. Mes frères finitaient. Mesdames et messieurs, je vous présente la mort aux trousses. Et Max pour Backstage. Je suis mort. Vous l'avez trouvé tout seul ou vous avez demandé à un clown de vous écrire le sketch? Inutile de répondre, simple question rhétorique. J'ai quelque chose pour le patron. Lupino est dans le coin? La tronche. Ça dépend pour qui? Un ami ou un pourri de flic de la D1? Inutile de répondre, simple question rhétorique. Lupino n'est pas là, mais il te salue. Lupino n'était pas à l'hôtel, mais j'étais tombé sur les frères Finito. Ma couverture a été grillée, les portes sont refermées sur moi, et les balles tombaient ouais, moi, je jouais pas non plus trop à Max Payne à 10 piges, hein. J'étais très très jeu de plateforme encore à cette époque-là. Non, j'ai un PC trop fatigué pour faire tourner une lettre sur le bureau a attiré mon attention. À tourner le 2 et le 3. Vous allez bien? Il ne répond pas. Appelez les autres. Il y a
mais on peut pas les attendre. Il faut rentrer tout de suite. Patron, on va rentrer. Il est là. Ouais, d'accord. Hop. Salut. Je n'avais rencontré Lupino qu'une seule fois. Le truand dirigeait son racket par l'intermédiaire de son bras droit, Vinnie Cogniti. Cogniti était une pile électrique qui risquait la surchauffe à tout moment. Il avait l'esprit nécessaire pour diriger ce petit commerce, mais il manquait de cran. Il passait sa frustration sur des petits camés et des putes. Le commerce du V a diminué dans votre tête. Jack a dit exactement « Vinny, tu t'occupes de tout ». Fin de citation. Rico Muerte vient nous donner un coup de main. Si quelque chose va de travers, tout le monde y passe. Et c'est pire pour vous. Traitez correctement ce mec et donnez-lui tout ce qu'il veut. Ne bousillez pas ce deal. Vous êtes finito, mais finito. Le commerce du V impliquait plus de sécurité, des portes verrouillées et un tas de truands nerveux le doigt collé sur la gâchette. Je n'avais rien vu venir, mais ça ne signifiait pas que je n'étais pas là. Rico Muerte était une vraie brute. C'est ce qu'on racontait aux petites frappes pour les tenir en laisse. 313. Oui, oui, La chambre de Muerte dans la main. Oui. Peut-être. Excellent. Ah oui, nouvelle commande, du coup, le oui, peut-être, hein, monsieur. Il fallait le mettre. Merci à notre cher président pour m'avoir aidé, du coup, à enfin trouver un point d'exclamation oui. Et qui lui a offert ? Eh ben, son... Sortir d'ici n'allait pas être simple. La porte des escaliers était fermée et l'ascenseur était cassé depuis une éternité. Son... Ouais, voilà, Jésus, oui. Son créateur. La police de New York est à la recherche de Max Payne. Tempête meurtrière. Directeur adjoint. Police, Jim Brewer. Le livre de Bichoco. Le livre, le lit. Écoutez, je suis fatigué. Directeur adjoint. Police, Jim Brewer. Prendre les mesures nécessaires. Valkyrie représente. Oui. Lors de sa conférence, peut-être. Le maire a déclaré que Valkyrie représente un réel danger pour la ville de New York et a appelé à des actions drastiques pour éliminer le problème. À la une aujourd'hui, durcissement de la crise Valkyrie. En effet, l'agent spécial Alex Border de la DEA a été assassiné, abattu de plusieurs balles tirées à bout portant. Le tireur a été identifié comme étant Max Payne. Les mailles du filet se resserrent autour du criminel en vue. De nombreuses unités policières ont été envoyées en renfort pour l'arrêter. Je venais de vivre mon quart d'heure de gloire. T'imagines quand même si Max Payne il serait français, il s'appellerait Maxime Douleur. Ou Maxence. C'est très bien. Très très bien ça, dis donc. Ah, 18 sur 20. 18 sur 20 pour ce jeu. Je suis à un endroit dans le jeu où j'étais bloqué, je me rappelle plus du chapitre. Ah, est-ce que tu te souviens un peu de comment c'était fait, Mersu ? Oh putain, les gars, ça a bugué. Le jeu a freeze ? Non. Attendez. Incroyable. Bon, bah je crois que... Magnifique ! Tout va bien ! Mais tout va bien ! Il a pas supporté les posters. Oh là là, c'était incroyable. Magnifique. Lupino dirigeait son racket sur le sexe, la drogue et les contrats depuis un hôtel lugubre, et quelques taudis. Les flics venaient me chercher. Quelle journée, J'entendais le hurlement des sirènes se rapprocher. C'est compliqué, hein. C'est une journée compliquée aujourd'hui, hein. Il n'avait eu aucune attention. Bon, je suis désolé, hein.